les amis, eh bien un petit peu de nouvelles de nos champignons. Nous avons déjà récolté 1,5 kg. Lors de la dernière vidéo, j'avais fait un petit passage pour vous montrer. Ça s'arrête pas de pousser. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler champignons. Aujourd'hui, un tout autre sujet. Alors, suite à de nombreuses questions sur pourquoi nous arrêtons la permaculture, on va d'abord vous dire pourquoi on en est arrivé à la permaculture il y a 4 ans. Alors, suite à de gros problèmes de santé et ne pouvant plus faire d'efforts physiques, eh bien, en surfant sur le net, pardon, nous étions à la recherche de comment cultiver un potager sans effort. Et nous sommes tombés sur pas mal de sujets concernant la permaculture. Et là, on s'est dit, super, et c'est parti, on va démarrer la permaculture. Alors bien sûr, on ne va pas commencer à dire qu'est-ce que c'est la permaculture, hein. Chaque personne a des opinions divergentes là-dessus. Voilà. Donc pour nous, au fil des années et saisons, eh bien, les récoltes ont diminué très très fortement. Alors en effet, la situation de notre potager urbain nous met dans l'impossibilité d'avoir des prédateurs naturels, hérissons, lézards, etc. Donc chez nous, eh bien, les gastéropodes et les autres ravageurs sont les rois et sont super contents d'avoir un beau potager comme le nôtre. Alors voilà, le diapo qui suit relate les 4 années de permaculture. Vous aurez les buts, les planches, etc. Et je vous reprends juste après. Bon visionnage!
Bon, voilà, vous avez pu voir que tout n'est pas négatif, hein. Pour certaines choses, la permaculture, ça marche. Mais voilà, nous avons décidé de revenir comme avant la permaculture, au traditionnel, le bio, sans pesticides, sans fongicides, hormis, bien évidemment, du ferramol. Là, nous avons remis le terrain en état, c'est-à-dire bêché, hein, comme vous avez pu le constater lors de la dernière vidéo. Alors, bêcher, donc pour retirer certaines racines, hein, liserons, chiens-dents, etc., hein, qui peuvent être l'ennemi de nos légumes, hein, bien évidemment. Ensuite, le travail du sol sera la grelinette. Voilà. Et nous avons décidé d'utiliser des engrais organiques bio, style fumier, comme je suis en train de vous montrer. Hein, fumier de vache. Il y a un peu tout là. En granules, hein, bien évidemment, hein, puisque nous sommes en ville, hein, bien sûr, en granules. Les cultures seront paillées seulement en période chaude, afin d'éviter la prolifération des gastéropodes. Et je dis bien seulement en période chaude. Alors maintenant, voici un deuxième diapo qui relate les 6 dernières années avant la maladie de Jacquot. Et je vous reprends pour la conclusion après.
voilà les amis, comme vous avez pu constater, le travail est différent et ne demande pas plus d'entretien qu'en permaculture. Nous pourrons vous le démontrer tout au long de la prochaine saison et pour nous beaucoup plus productive. Alors pour nos photos, nous avons pu remonter sur 6 ans. Avant, nous n'avions pas le numérique, hein. Sinon, Jaco fait du potager depuis plus de 40 ans environ. Mais ça, on vous en avait déjà parlé il y a un petit moment. Alors, j'espère que vous aurez eu les réponses à vos interrogations du pourquoi nous quittons la permaculture et aussi pourquoi le jardin est complètement transformé. Alors maintenant, un petit coucou à notre ami Gabi qui vient d'avoir un jardin. Alors c'est un petit jeune méritant que l'on encourage vivement, Jaco et moi. Et on vous dit à tous, à très très bientôt. Bon jardinage à tous!